Vous voyez, bon, après ça, yo, carte rose, et zara, na combo ya, ya moutouana, yo, faut qu'il y ait la permutation, n'est-ce pas? Ce qui coupe le madia, babi, il nous pas mon bi avant d'ara. Bah, on est basombé, les babes, ça biso, basombé, la gagne, on a combien, puis basombé, on est pas nan. Au moment, bon, y'a la biso, bah, précision, d'être au camion, mon homme. Parce que ici, il est bien beau de parler, mais il faut prouver. Mais là, on peut sauver les mains de prévôt que mi à somba l'opin, on est mouru. Bon à la tille la costa rouge rouge banzela nzela au sort talibien à table au mona bon oiseau compté mon amour et moukena ou ezan à table. Est-ce que bon t'as la bas vidéo parce que les gens en train de parler, mais les gens n'amènent pas des éléments de preuve. Jérémy, donc moi je suis en train de donner une exclusivité. Il y a Gombe et puis bah il s'avise le pan au nino basomba parce que le pan ou anambi à son mais pour ma part on est mis balé n'a sangui sangui comme un moko. Mi a réfectionné cette église, c'était l'année passée, n'est-ce pas? C'était l'année passée, 2021. Mais on a dit que bilo on a bango. Na ambassadeur na bromai kalambai. So à quel moment on va payer ça? Parce que Mbi et le couple Madjabou n'étaient plus en bonne relation depuis l'année 2019. C'était là commencé à quelle année? Je vais relater l'histoire. L'apôtre Manuel Mbi c'était un ressortissant de Nzambe Malam. Bien. De papa Edi Naba la paix à son âme. En 1976, l'apôtre Manuel Mbiye va quitter l'église Nzambe Malam pour aller créer ce qu'on appelle le groupe de prière. Bato Bayebi Masola, le groupe de prière. En 1976, Bayebi, c'est-à-dire le groupe de prière. Et le groupe de prière, lorsqu'on commençait, l'apôtre Manuel a commencé ce groupe de prière, lui et sa femme. Et quel est le rôle sa femme jouait? À chaque fois qu'il y avait des groupes de prière, sa femme préparait le riz et l'haricot. Pour que bâton soit baillé, bah groupe de prière, bah si groupe de prière, bah si bah c'est nini, bah lié. Motivation. Que il y a l'ennemi qui est à la porte. L'ennemi se prépare à me détruire. Mais pour me détruire, l'ennemi va se servir de l'un de vous. Vu les éléments que j'ai entre mes mains de pasteur Zaché. Parce que Mbi avait des éléments. Oh, pasteur Zaché, qui vient qu'on contacter l'un de ses enfants. Pour ça, là-bas, faux témoignage. Les éléments qui mis à sa possession, les gens ont du mal à croire. Les gens va plus le pour dire que non, non, pas lui, pas lui. Mais quand pasteur Zaché est allé faire des histoires en Tunisie avec une femme mariée aussi, oh, il y avait de vide. Mais je vous dis, mais tout le monde a c'est tout le monde a vu. Mon frère, je vous dis, cette année, Tunisie, nanani. Cette année, je parle de l'année passée. L'année passée, vous dis que cette année, il y aura des scandales, des choses que les gens vont voir. Bien, merci mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Nous sommes en direct de Kinshasa. Équilibre Télévision au cœur de l'actualité. Encore une fois devant vous, Jérémy Luemba, les renards du désert. Nous sommes dans la joie de vous saluer, mesdames et messieurs. On reçoit pour vous un Congolais, un compatriote que vous allez découvrir tout à l'heure. C'est un frère. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également sur le choc de l'esprit. Cher ami, bonjour. Bonjour, mon frère. Mon entier Bautalabusso, d'abord, pour la toute première fois, quand même, où s'est présenté devant Bango. Voilà, donc, je suis Alvin Kashimba, analyste politique. Mais aussi journaliste d'investigation, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube, bien sûr, Alvin Kashimba TV, chrétien, je crois à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ben voilà. Voilà, Ndeko Alvin, nous sommes contents d'être avec vous. Je crois que on le bien en clair, vous êtes chrétien, cela veut dire que vous là quelque part, vous semble là actuellement. Bon, on a dans un mélange normalement n'a pas l'air. Mais deux fois, il y a un monde qui est dans sa présence, il y a Mike Alambay, il y a un monde qui est dans Bethel, il y a Pasteur Moïse, il y a un monde qui est dans la chapelle de Vainqueur, parce que mon père a pasteur dans la chapelle de Vainqueur. Donc voilà quoi. Et mais vous êtes faux chrétien, parce que vous avez une église d'attacheté, vous êtes de gauche à droite, mais vous êtes conviction à vous. Non, parce que qu'est-ce qui te fait dire que je suis faux chrétien? Au moment où j'appelle,
Bethel. Pourquoi ça doit te déranger sur le monde à la Bethel, le monde à la chapelle de Vainqueur? Nous avons dit que nous avons à Congo jusqu'au point où l'esprit compétitif est côté l'église. Nous avons dit que nous piège. Donc, moi je pense que nous avons tous ensemble. Jésus Christ est monté avec nous, avec 12 disciples. Chaque disciple a une mission où il va confier à qui. Mission où il va confier à allez-y faire tous mes disciples. Alors, si la mission où les disciples va confier à qui, allez-y faire tous mes disciples. Sauf que Jean, à qui on a dit, on a dit évangile à Jean. Pierre a été évangile à Pierre. Évangile à Pierre. Il a été un faux chrétien. Au moment où il a été évangile à Pierre, il a été évangile à Pierre. Mais il a été évangile à un moment, je peux aller écouter Dieu là-bas et message à Jean. L'homme n'a que Pierre, l'homme n'a que Jacques, l'homme n'a que Thomas. Pourquoi n'attendre pas disciples, ma division, ma compétition à les acquitter? C'est parce qu'il y avait l'amour et la sincérité entre eux. C'est parce que nous sommes tous les mission moko. Nous avons tous Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, comme il y a de l'esprit compétitif, aujourd'hui, comme il y a des intérêts, conflits d'intérêts, c'est comme ça que ça t'a dérangé, par exemple, le pasteur X. Ce qui m'a dit que je suis un homme, mais pas pasteur Y. C'est ce qui est à la base aujourd'hui, avec le rognon sous le monde, avec le sextape et tout ça là. Et donc, ça ne pose aucun problème qu'au sein, il y en a deux, trois églises. Ça ne pose aucun problème au moment où, rognon surtout, bazo teya. Bazo ça la mission où Jésus-Christ a confié à Guimbangou Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est bien réfléchi. Alors on déconvine. Monde entier bas au talabisho, vous êtes quand même chrétien. Je crois que l'émission a bien commencé. Alors quel est votre regard par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Déjà au début en introduction, les conflits entre les pasteurs, conflits à leadership, conflits d'intérêts, conflits à Bassi. Déjà, on va commencer par cette histoire de Moïse Mbille, où il y a déclenché guerre dans la 4e église, dans la 4e chair. Il a eu cette audace-là de parler de ces choses personnelles, règlement de compte dans la chair, dans la 4e église. Au moins, il y a une situation comment? Non, vous voyez, il y a un homme qui est chrétien, il faut tout le temps dans la Bible. Ce que Moïse Mbille a fait, c'est biblique. Mbille n'est pas venu régler des comptes à qui que ce soit. Mbille n'est pas amené des choses personnelles à la place publique. J'aimerais bien parler avec des références bibliques. Mon frère, est-ce que tu peux m'aider avec mon téléphone, s'il vous plaît, Namé Sawan? Parce qu'au moins, Congolais a un problème moral, Congolais n'a autant la Bible. C'est-à-dire, Congolais a un malade. Moro, c'est que Congolais cause à la obéla. À côté pharmacie. A son mikis. Nagata kis on a noti César. Mais Congolais poison assurance, on met la kis, il faut pharmacien dans sa anime. Eh bien, c'est que mon nom bien suivi. Il faut me la décomprimer de comprendre. Alors que, na kis donne à autre son mana noti César, oh, soyez mora tangi, à comprendre mode d'emploi et mode d'utilisation. C'est ça le vrai problème avec le Congolais. Toi, la culture a autant raté. C'est comme ça que nous sommes beaucoup plus basés dans la spéculation. N'a pas formé au lieu de rentrer dans le fond. Ce qu'Embi a fait, je te disais tout à l'heure, mon frère, c'est biblique. C'est biblique comment? Je vais vous donner des versets bibliques. Boutan à la Bible et Sungabino. Allez-y. Prenons le livre de Matthieu 26, 21. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, et il dit, je vous dis, en vérité, l'un de vous me livrera. Je répète pour la bonne audition à Bande Kouwari Sassou. Matthieu 26 à 21, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, et il dit, c'est lui qui le dit là, c'est Jésus. Je vous dis, en vérité, l'un de vous me livrera. Deuxième verset, Marc 14, 18. Pendant qu'ils étaient aux tables, et qu'il mangeait. Jésus dit, je vous dis, en vérité, l'un de vous, qu'il mange avec moi, me livrera. Jean 13, 21. Et a ainsi parlé, Jésus fit troubler à son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera.
Les amis, réfléchissons maintenant. Les gens qui veulent faire passer billets, de prendre des choses personnelles, venir régler ça à la place publique. Ici, l'histoire nous précise que Jésus-Christ était assis avec ses disciples. Et Jésus était au courant qu'il arrivera un moment, il sera trahi. Et il sera trahi par qui? Par l'un de ceux qui mangeaient avec lui. Par l'un de ses enfants. Parce que les disciples n'ont pas le droit de banna oye, soit soit qui bango dinera. Tu vois? Donc chacun a une mission à bango. Et quand Jésus a commencé l'évangile, il a eu bango. Il a dit qu'on enseignait bango. Si on a une Bible plus loin, vous verrez que non, à chaque fois quand Jésus dit qu'il y a un disciple, il y a un côté à bango. Vous voyez? Et Jésus-Christ s'est rendu compte qu'il y avait un danger à la porte. Jésus-Christ s'est rendu compte qu'il y avait des complots qui s'est préparé pour qu'à sa ligne, à la livrer. Et Jésus-Christ va alerter ses enfants pour leur dire que ne soyez pas l'instrument par lequel l'ennemi passera pour que je sois livré. Mais si Jésus-Christ qui est 100% Dieu, 100% homme, peut se permettre d'alerter ses disciples alors que Jésus a dit qu'il y a une trahison parce que on essaie un peu d'avancer plus loin dans la Bible. Vous verrez que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre a zui, mais là, Kati Litoy. Jésus a zui Litoy à Saint-Nim, à Zongisi. Ce qui Jésus a dit qu'il y a une possibilité à Zongisi, à Litoy, à Moto, à Kataki. Donc, allez-y comprendre que Jésus a dit qu'il y a un pouvoir. Il y a aussi un moté, mais il y a un moto, il fallait trahir. À endurcir mon témoignage au point où c'est ma loba trahison à trahir. Mais si Jésus n'a pas fait ça, à combien plus forte Moïse Mbio Azali, serviteur de Dieu, c'est-à-dire Azali Moto d'abord. Vous voyez, le message de Mbio et les gens ont mal interprété ça parce que les gens ne lisent pas la Bible. Mbio, devant sa chair, il était en train d'enseigner. Il était en train de manger avec ses enfants. Parce que lorsque tu es dans l'église, on nous fait comprendre que l'église, tu es dans l'église, tu es affermi spirituellement. Très bien. Mais il était au courant d'un complot qui s'est préparé contre sa personne. Mais il n'était pas surpris de ces complots de combat. Parce que si tu es un tout petit peu 10 ans plus tôt, vous verrez que Mbi a chanté des chansons qui sont en train. Mes amis de tout le temps, bakoko mabanguna. Tant que koya bako timbo la maboulou po nana koufa. C'est-à-dire, bitumbo mbi azo mon alelo, mbi a déjà été préparé pour ce combat. Pour preuve, il a déjà chanté cela. Ah mais bon? Le problème, ben bien sûr, nana ebinzembo anaite. Mais le problème, c'est que bananaye, bazaï qui préparait te na combat ya papa na bango. Vous voyez, il a fallu alerter ses enfants qu'il y a l'ennemi qui est à la porte. L'ennemi se prépare à me détruire. Mais pour me détruire, l'ennemi va se servir de l'un de vous. Vu les éléments que j'ai entre mes mains de pasteur Zaché. Parce que Mbi avait des éléments. Oh, pasteur Zaché qui n'est qu'on contactait l'un de ses enfants. Pour ça, là-bas, faux témoignage à sa personne. Et Mbi s'est rendu compte de tout cela. Il va venir dans sa maison. L'église, il mange à Nako. Oh, nous avons établi le rôle à sentinelle, il est papa. Avant d'ici, on a dit qu'au vu des éléments qui sont à ma possession, les gens vont venir chercher comment me détruire. Mais il passera par l'un de vous. Sur ce, soyez éveillés. C'est un message de vigilance. C'est un message de clairvoyance. C'est un message d'interpellation. Pour dire à ses enfants que ne soyez pas l'instrument par lequel l'ennemi passera pour faire quoi? Pour me détruire. Et maintenant, je vais arriver, mon ami. Merci. Pourquoi Mbi s'est permis de faire ça en direct? Parce que Mbi n'a pas de bandimika en Congo. Mbi a des bandimina en Belgique. Mbi a des enfants en Paris. Mbi a des enfants en Canada. Mbi a des enfants en Suisse. Alors il fallait alerter tous ces enfants-là. Le monde entier. Le monde entier. Et le seul chemin par lequel que ces enfants devaient être au courant d'un complot qui est en train d'être préparé contre leur père et que l'un de ses enfants sera peut-être un instrument par lequel l'ennemi passera. C'était la chair, l'église. Mais il fallait Azela. Laissez-moi chuter. Asa la terre émission. Non, voilà. Asa l'émission à l'obato point de presse. Mon frère, laissez-moi faire comprendre le peuple de Dieu. Bato va comprendre que vous allez manipuler. Si Mbi voulait alerter tout le monde, mon frère. Tu es confrère journaliste d'investigation aussi. Tu vas te rendre compte que 3 semaines plus tôt,
avant que Mbi a sa la déclaration, Mbi a passé dans des différentes émissions. Il a passé c'est Ingrid, il a passé c'est notre concert Marilyn Kakonde. Si l'intention de Mbi c'était d'amener le scandale dans la place publique, il pouvait se servir de ces émissions-là pour alerter tout le monde. Vous comprenez mon frère? Raison pour laquelle je suis en train de faire réfléchir les gens ici pour comprendre que l'intention de Mbi c'était pas d'amener le scandale à la place publique, mais c'était plutôt d'alerter ses enfants. Voilà pourquoi il s'est servi de sa chair. Jésus-Christ a fait ça. Nous venons de lire ici. La même chose que Mbi a fait, Jésus-Christ a fait ça. La Bible a dit que nous devons se servir de Christ comme un modèle. Christ a fait ça, il a alerté. Et c'est ce que Mbi a fait. Alors pourquoi vous allez venir nous faire comprendre que voilà. Voilà, merci pour tes arguments, chers frères. Mais je pense que il y a des gens aussi de partout à travers le monde. Commenter librement, je crois que cela nous fera du bien. Mais autant que pasteur Zaché, et je suppose que Zali Marcelo a utilisé ex-femme Mbi pour que a salir l'image de pasteur Mbi. D'après ce que Mbi a dit, est-ce que réellement Ndeko Marcelo a approché ex-femme Mbi ou Nana Solo? Comme Yondo Tangi. On sous-entend quoi la Mais dans son secrétaire, il est déjà par le bas du déjeuner. Il est déjà par le bas du déjeuner. Denis Lesse l'a dit. Azabouche autorisé à Mbi. Il a dit ça. L'église a parlé de ça. Ce n'est plus un secret. Est-ce que vous êtes maintenant sûr que cette femme-là n'a pas menti au nom de Marcelo? Mon frère, il y a un autre en gros, Marcelo, il y a un pasteur Zaché. Ou soit pasteur allemand. Pasteur brésilien, on y va. Pasteur Zaché. Denis Marcelo, on va charger à Denis. On y va. C'est-à-dire, ici, les amis, les gens doivent comprendre que, quand je te disais tout à l'heure, qu'il y a qui alerte, c'était suite, il y a l'élément Oyo, pasteur Moïse Mbiazaki, contre pasteur Zaché. Les audios, il y a trois audios, je vais vous révéler quelques contenus. L'audio. Bah, audio fabriqué. Mon frère. Moni, le problème c'est quoi? Le long église à Congo, il y a des pasteurs Oyo, ils ont tellement lavé leur apparence au point où ba comme ça bato loko la nzambe. Ba comme ko banga ne bato. Mais ba banga nzambe te loko ba pasteur Zaché. Ça dit à sonner image na. C'est-à-dire oui. Donc l'hypocrisie au point attends ça li ma bébé. Moi bon dit ma yezati. Pourquoi rien? Est-ce que vous comprenez? Il y a un moni lelo na Congo. Biso bato to benga na ba chrétien. Toujours qu'on imite ba fait et geste ba pasteur on. Au moins mon frère Jérémy, tu vas remarquer. Mon la sœur mon frère mon ba na ba copain copine. So ba les gars venir bi ga venir na pasteur na ba vandara. Au moins frère ana za capable de tourner ta 5 avenir. Mais serait-ce qu'elle ka venir na te pour pasteur na ba mon menzambe asani amuna na yi. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, batou ba comme na niveau ya kubanga batou. Ma place en Zambe. Et ça ba nature ya ba pasteur Zaché. Yango moni lelo, malgré les éléments qui mis à sa possession, les gens ont du mal à croire. Les gens va plus le pour dire que non, non, pas lui. Pas lui. Mais quand pasteur Zaché est allé faire des histoires en Tunisie avec une femme mariée aussi. Oh, il y avait de vide, mais je vous dis mais tout le monde a c'est tout le monde a vu mon frère je vous dis cette année, Tunisie nanini. Cette année je parle de l'année passée je vous dis que cette année il y aura des scandales des choses que les gens vont voir et les gens vont comprendre donc bientôt vous relancez P vidéo à pasteur Zaché la lobby t'est au relancé j'ai dit que cette année c'est l'année de la lumière oh nyo surtout bon mamagi na poisa et na molili au sanini et bon mana poisa. Ce qui batou bapé qui s'accuse pasteur Moïse Mbi était au point où il y a même des appels au niveau de la sommet. Les audios allaient sortir parce qu'il était prêt de démontrer à la face du monde que ce que je suis venu vous dire ici, ce ne sont pas deux histoires. Parce que dans l'audio, lorsque le pasteur Moïse Mbi s'est rendu compte des éléments de preuve au pasteur Zaché Anek ont monté la serre contre lui. Pasteur Moïse Mbi a pris le téléphone, il a appelé directement pasteur Zaché. Ça nous connaissons, mais c'est quoi, on a oublié. En fait, les dossiers Mbi qu'on sort chaque année dans ces pays, on parlera que des Mbi, à bas la raté, toujours des scandales chez eux,
au fait, il est qui? C'est un phénomène ou bien comment? Non, le problème, c'est que vous savez, dans chaque génération, Dieu suscite toujours une étoile qui doit montrer les chemins à d'autres personnes. Et vous verrez que l'étoile, on attend, oui, il y a quand. Et Botamara, ils auront toujours combattu. Je vais vous donner l'exemple de Jésus-Christ. Vous voyez? Vous verrez que Jésus-Christ a été combattu parce qu'il y a qui d'abord étoile. Jésus-Christ a qui une mission à vous sauver. Et comme le prédateur, les ennemis ne voulaient pas que le monde soit sauvé, vous verrez que les gens ont combattu Jésus-Christ au point où aujourd'hui, les gens doivent comprendre que Mie, c'est un modèle pour des générations. Oui, je t'ai dit. Non, pas sur exemple, Moko. Mie, c'est un modèle pour des générations, pour des pasteurs. Là, c'est un pasteur qui écoutait. Au cœur de l'Ossé, l'ensemble. Motonginda, quoi, malam, au vanda. Otongé, l'ipenzambe, temple à malam. Bon, puisque. Attendez, puisque je vais moi, tu vas poser la question. Non, bon. Mais là, tout n'y mon frère. Est-ce qu'avant Mie, il n'y a pas de pasteur au Bassala, ma grand, ma cambazana, ma grande église, ma bon, et un autre côté, ma tonga, pépé, église, ma longa. Ah, soro, qui est négara, place au tout ça. Soro, qui est obimassé, nous. Et pas avec Sony comme pas pasteur Sony. L'éternel chantier. Naïbi, je suis pasteur Sony, Nambie. Je ne vais pas opposer, mais notre opé, ça m'exemple. N'a bandi kala na ministère. Pasteur Sony, a un bon côté. Chantier, s'il a raté. Chantier, s'il a raté, pourquoi 25 ans. Ma maman, au langue, par exemple. Tu sais combien de temps tu as un ministère à main? Bon, en dépit de ça, en dépit de ça, donc vous dites que Mbi est une étoile, en dépit de ça, mon frère ami, je dirais que Azam Marmebele, Gégé, Bima, Eliane et consorts, on en parlera plus tard. Mais tout ça, on a dossier à l'élo. Majabo et Kaboli, on a Bandekounaye, Nandekouné, Mamay Kalambaye. Il paraît que l'église a été conçue par les fonds, l'argent donné par le couple Majabou. Il paraît sa belle voiture, Zabapé Sambo, on a Majabou. Il paraît même sa maison, Villa Zanango Lelo, Isa Majabou, Ndassombela Moïse. Aux approches à Mbiye, éclaircis, besoin de dossier. Naza, journaliste d'investigation chrétien, proche à ma musicienne, on s'en approche à Moutouti. Ok, allez-y. Voilà. Le pango Mbiye, à cause de ça. Mes amis, vous savez, lorsque nous avons dit à Jérémie, Nabi que Jérémie n'a son mélange au pan. Mon cher, tout le temps, mon ami, tu as vu ce nom. Oui. Attends, son mélange, tu n'as pas mon. Vous voyez, par rapport à ça, la carte rose, il y a un combo, il y a un mélange, il faut qu'il y ait la permutation, n'est-ce pas? Ceux qui coupent le Madja Babi et le Pangombi à Vandara, ils ont des sombres. Ils ont des sombres. Ils ont des sombres. Ils ont des sombres. Au moment où il y a des sombres, ils ont des sombres. Parce qu'ici, il est bien beau de parler. Mais il faut prouver. Mais là, on peut faire des de preuve que Mbi a sombré le Pangombi. Quand tu as la photo, est-ce que tu as la photo? Est-ce que le jour où Mbi a été payé, comment on appelle le monsieur? Conservateur. Vous allez voir, dans ma vidéo, au moment où la vidéo, on a très bien, il y a le monsieur qui est venu verser l'argent, le pasteur Moïse Mbi. Au moment la vidéo, et le monsieur qui a vendu le pang, il y a un azo compté, bon, à la Costa Rouge, Rouge, Banzela, Nzela. Au sort, au talibien à table, au moment où bon azo compté, on a un bon moukena, au ezan à table. Est-ce que vous avez la vidéo? Parce que les gens sont en train de parler, mais les gens n'ont même pas des éléments de preuve, Jérémy. Donc, moi, je suis en train de donner l'exclusivité. Il y a Gombe. Et puis, bah, sabiso, le pan, on a Somba. Parce que le pan, on a mis à Somba. Pour ma part, on a mis à Balé. On a sangi sangu et comment moko. Na Gombe. Na Gombe. Mais à Somba, le pan, on a mis. Moi, mon frère, on a mis à la vidéo. Mais il paraît que le couple, on a mis à mon frère. Bon, il m'a appelé, passé ma dîme. Mais Jérémy, il y a eu comme ça. Parce que là, on a dit ça, il m'a dit, 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 il mais ce qui est à la contre Madjabou, ben il a biso pété, ben il a biso ba document au bango ba sombe la kaye lopan et puis même sa biso ba sombe bango na combien puis nani a tege la ka bango. Vous allez comprendre que c'est tant bazo lo ba ke ces gens là ba yé la mission ya ko détruire corps du Christ. C'est pas faux parce que lorsque vous amenez des faussetés à la face du monde au point où
de créer des histoires que vous n'avez pas de preuves. C'est honteux. Donc par là, nous comprenons que mission n'a pas été pour détruire l'église à Congo alors. Parce que bon, bah, le son bel ou pas, Jérémy, il y a la question. Bon, tout le monde est vidéo, le pan. Donc, sur ce point-là, faux débat. Donc, il n'y a pas l'église. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Il y a un peu de bélément, il y a un peu de bélément. Merci. Voilà. Église construite par. Ministre, les fonds donnés par Madjabou. Tu vois que ce sont des menteurs, mon frère. L'église cité elle a commencé à quelle année? Je vais relater l'histoire. L'apôtre Manuel Mbille, c'était un ressortissant de Nzambé Malam. Bien. De papa Edi Naba, la paix à son âme. En 1976, l'apôtre Manuel Mbille va quitter l'église Nzambé Malam pour aller créer ce qu'on appelle le groupe de prière. Bato Bayebi, Masola, ma groupe de prière, en 1976, Bayebi, c'est-à-dire ma groupe de prière. Et le groupe de prière, lorsqu'on commençait, l'apôtre Manel a commencé ce groupe de prière, lui et sa femme. Et quel est le rôle sa femme jouait? À chaque fois qu'il y avait des groupes de prière, sa femme préparait le riz et l'haricot pour que Bato Sobaye, ma groupe de prière, si groupe de prière, si ma Saint-Nini, lié. Allez-y. Le groupe de prière a commencé à la commune. Non, non, c'est, attends, c'était vers quoi? J'ai brillé vers quoi? Izam. Pas à Kingaboa. Non, pas à Kingaboa. Izam est accompagnement quelque part là. Voilà. Ensuite, Aekoya et Paya Maître Toropé à son âme. Nayolo. Nayolo. Maître Taureau, Maître Taureau, Maître Taureau, tellement que il y a des bandes qui créaient des dérangements. Vous savez, à l'époque, il y avait des groupes de prière conscients, ça créait des dérangements. C'est comme ça que Maître Taureau va leur donner le pain en place sous Moussou, qui est le groupe de prière. Il y a un groupe de prière première, il y a un groupe de prière, avant qu'on ait la cité Bethel. En 1980, c'est comme ça que l'apôtre Manuel Mbille Moulaya va créer maintenant cité Bethel. Depuis 80. Depuis 80. 1980. Et c'est là, maintenant, qu'il va venir acheter la parcelle. Il y a Limité première. Première. Alors, quand le couple Madjan pouvait nous faire croire que Bangonde Moutouba Somba, le Pangwana Bethel, vous montrez que c'était un gros mensonge. Pèse va financer pour réhabiliter un mot. Mon frère. Pour tout le monde, comme il y a une église, Bongi, carreau, vitré, mon frère, Birouambi est impeccable, déjà, c'est l'argent de Madjabou. Déjà, c'est faux. Parce que pour ce que nous, Mbi a réfectionné cette église, c'était l'année passée, n'est-ce pas? C'était l'année passée, 2021. Mais loin de Madjabou, Babandi, Bilo, Ronabango, l'ambassadeur, on a Bromaï, Kalambaï. À quel moment, on va payer ça? Parce que Mbi et le couple Madjabou n'étaient plus en bonne relation depuis l'année 2019. Mais au moment avant Mike Kalamba c'est l'actrice dans la tuta qui a soukawa na Instagram na yona, il a dit que vous devez être reconnaissant. Il a fait allusion au pasteur Mbille. Mais entre nous bozo bambongo quand même Madjabou, non? Non, la vérité Mbille bambongo bozo, c'est vrai. Non. Quand on a l'argent, tu peux le faire, tu peux l'utiliser comme tu veux. Mon frère, le problème ici les couples Madjabou. Si vous avez un bon point, vous avez un bon point. Vous avez un bon point. Vous avez un Samuel. Vous avez un frère Patrice. Pourquoi vous avez un Moïse? C'est parce qu'à cette époque, Moïse n'est pas un gaz. Vous avez coupé sa exclusivité. Vous avez un bon point. C'est-à-dire que la relation des couples Madjab ou MB, c'était une relation basée par des intérêts. Vous avez un peu de temps. Vous et bien, on va contrepartie. Vous pensez que vous avez un peu de temps. Mais après ça, vous avez un peu de temps. Non, c'est faux. Attends, je suis avec vous. Allez-y, mon frère, tout gagne de temps. Mbille a reconnu avoir reçu des cadeaux. Ok? Mais Mbille n'a pas reconnu avoir reçu de l'argent. Quand on parle de cadeau, nous serions dans le vrai sens du mot cadeau. Depuis que cadeau, ils allaient en bon côté. Vous voyez, et même si toi qui la bassesse, même si Mbi avait reçu l'argent, est-ce que Mbi a joué Mbongwana gratuitement? Je vais te relater une histoire. Lorsque Mbi a commencé la production des Trina, vous voyez, Bibomba Musique. Bibomba Musique a commencé la production des Trina. Trina. Trina habitait à Massina. Pasteur Moïse Mbi va décider de chercher une maison à Trina à l'été. Et pendant ce temps-là, ils étaient en bande fixe dans le couple Madjab. Et les couples Madjab vont dire au pasteur, nous, on a une annexe dans Mimosa, vers Kadjelsi. Ah.
Allez-y, allez-y. Non, tu as besoin, c'est parce que moi, on a besoin de vérité. Non, non, c'est bon, c'est bien. Parce qu'ici, les gens veulent nous faire comprendre que c'est Mbille qui venait vers I. Voilà. Alors que lorsque le couple Madjab ou Bayaka Koukoutana, pasteur Moïse Mbille, pour la toute première fois, Moïse Mbille habitait déjà à Ouvira. Ouvira, c'est à Gombe. À Gombe. Botal à Lopang, Ouvira en moi. Là où Mbille habitait. Le jour où sa sœur, elle est allée chercher la maison là. Vous voyez, la grande sœur de pasteur Moïse Mbille là, parce que c'est lui qui fait tout ce qui est démarche à pasteur Moïse Mbille. Botalanda Rwanda na Ouvira na Kota Pembe na Grand Hôtel. Allez-y comprendre combien ça coûte une maison de location. Ouvira. Ouvira na Rwanda Rwanda. Et quand couple Madjabo était venu voir Mbille, bon bande roulait na voiture. Bande ko roulait na Djuka. Et Mbille roulait déjà des Cadillac. A mené le couple Madjab à Dubaï pour que Bakéko son mamie tout à valeur. C'était pas pasteur Moïse Mbille. Donc ici, il faut quand même reconnaître le goût de vie que Mbille vous a communiqué. Parce que quand le couple Madjab est venu dans la vie de Mbille, Mbille vivait déjà à Ouvira Gombe. C'est quand les gens ne comprennent pas. Maman Madjab et pasteur Moïse Mbille, ils ont étudié ensemble. Ils se sont connus déjà depuis enfance. Est-ce que tu comprends, Jérémy? Eh bien, Kokabouana, Mbille n'est pas le seul élève. Oh, maman Madjabou. Attends, Mbille. Il y a d'autres élèves dans le collège. Attends, qui? Baza, ma collègue. Voilà. Baza, qui? Maman Madjabou ne va pas venir nous dire ici que Nekolo, Baza, Otan, Baza, Otan, il y a un pasteur Moïse Mbille. Ben, élève, Moussou, Baza, qui? Et tant, Bakoli. Mouna, Mouta, Ando, Salamaka, Mounaï. Parce qu'on regardait biso droit aux yeux, biso biso entre Bango na pasteur Moïse Mbille, nani wa lukaka muninga. Soit qui baga ko lukaka Moïse Mbille, c'est parce que bazaki na besoin ko promouvoir ba service na Bango, et la seule personne ko ka ko aider Bango na moment na c'était pasteur Moïse Mbille. Voilà. Pourquoi ba lukaka iba na classe na Bango musute? Voilà, mais toi qui peut que moi c'est ma job Bango il paraît à lingayi pour pasteur Mbille parce que ba vivons pas ensemble. Wana o biboyoki. Donc moi je peux pas venir ici affirmer ba les ont dit. S'il y a des gens qui ont des éléments, oh yozo la qui sait que maman Madjab sortait avec pasteur Moïse Mbille, bah brandir. Hein. Au moment où il n'y a pas des éléments, moi je ne sais pas affirmer. Voilà, on va chuter par ce dossier des Zawadi. Mm. Zawadi c'est qui? Ah, tu vois, puis pareil, Azali et les Bamoro ont des combis à Zoki infiltré pour que Abou ma image y'a des combats et Kalambay. Vous savez, mon frère, l'histoire des Zawadi, le rôle là, bah Tomaye, bah on a dit soir. Bah, que vous comprenez l'illustration et la paix ça. Jérémy, moi déjà, par exemple, je suis en train de conflit. Je suis en train de faire barré. Mais dans l'occasion, au bon maillot, je suis raté. Et dans l'année, il y a un conflit en train de faire. Si vous avez un conflit comme Lio, vous avez suspecté directement. Un bonjour, vous avez un conflit qui a discuté avec papa Salati, la Costa Bleu au ciel. Papa, il y a un Jérémy, vous avez un conflit. Vous avez un action au bon maillot. Tu considères qu'il y a un peu de non, les gens sont yoki. Ah, dans l'occasion, on régler ce qu'on a Jérémy dans raté. Le col à papa, on a menacé Jérémy, on a prémédité la place publique. C'est une occasion pour moi de faire quoi? De détruire Jérémy. Parce que quand je vais tuer Jérémy, bah, toi, bah, mon ami, ton papa, la coste, on a prémédité Jérémy, bah, on a soupçonné raté. Directement, le regard de tout le monde va regarder qui? Papa, il y a la coste. Allez-y comprendre la suite. Donc ça va dire pas bien habité, bien habité. Voilà. Bah toi Maïel, bah ça il n'y, bah comprend. Jusqu'au, personne ne saura réponse claire. N'aibisio que. Donc bien habité, ça va dire, c'est ce qui ça va. Aibie à ta, au monde a été. Le problème ici, les gens doivent avoir le courage de dire les choses telles qu'il est. Des hommes à faire un mouvement calme. Na lobi na yo, des hommes à kamuna bango moko. Bolingo na moko. Bango moko, bah yebi. Et loko esali que le lo. L'histoire des Zawad est dégénérée comme a-t-il la place publique. Tant que ma vidéo est à Dubaï et Robima, ne pas comprendre l'illustration de l'autre pays. Mais ma vidéo est à Dubaï. Il y a une boîte de nuit. Au moins, il y a une vidéo. Mais si tu as une vidéo à Goldberg, il y a la femme de Potiphar qui est à Dubaï. Tant que ma vidéo est à Goldberg, il y a la femme de Potiphar et Robima à Dubaï. C'est là où vous allez vous rendre compte de l'illustration de Pessibino qui est à Canarayo. Pour n'a pas réo, mais dans une occasion, tant on a moni à menacer la place publique, on a essayé de faire un bon mieux pour que Batouba acquise. Batouba, il va comprendre. Mais ils ont dit qu'on est étouffé, parce que tu sais la vérité, il y a un malembe, mais le côté, il y a un sincère.
Mais vérité, il y a un escalier et ça n'y est pas. Je suis sûr que j'ai remis bomba vidéo. Lorsque, parce que, Babandi développé, ça va être bon à Dallas. Vidéo, on est à Dubaï, on est à Béatrice. Et Zali. Oh, bah, on a la femme de Potiphar, on a Goldberg, on a boîte de nuit. Parce qu'on a tout le monde, on a une compétition de cours. Pour nous revenir dans la Zambie. Pour nous promouvoir la culture chrétienne. Comment on peut comprendre que Yomoro, initiateur, ton initiatrice, n'a pas été sur les Arabes. Il y a compétition du corps et objectif de recevoir dans la Zambie. On a un peu de sous la Goldberg. Ce qu'on a ici, ceux qui Potiphar se rendent compte que moi, si je suis trompé dans Goldberg. Parce que si on a un peu de temps, je ne suis pas bon. Bon, mon cher, merci beaucoup. Je crois que au PC, lorsque la vidéo de Dubaï va sortir, les gens vont comprendre que Mie n'est qu'un bouc émissaire. Oyo, les gens ont voulu faire porter les chapeaux. Alors qu'en réalité, le vrai problème, Bangomoro ba yebi orji, Yabilo Rwana. Tu sais, quand on veut noyer son chien, on l'acquise du rage. Alors, Ndekoto Kabona, entre nous quand même, mais il paraît que vidéo pleine de Gumbi et Zali, hein. Mon cher, est-ce que Banda Lelo, je suis allé à l'Eliana, si on m'a monté une vidéo, je suis allé à l'Eliana, je niveau est à Eno, vis-à-vis de Mbie, tu crois que s'il y avait une vidéo de Mbie, les gens voulaient garder ça, mon frère. Tu sais, le problème, c'est quoi avec les gens? Mon frère, Mbie, on ne dit pas qu'il est parfait. Abba la paix. Zélaté, Jésus-Christ. Pour mettre fin à ça. Oui, moi, c'est apôtre Paul, au bien comme moi. Que les gens veulent nous faire comprendre, Moutoua est là sur l'évangile. Pour éviter les scandales. Où est-ce qu'on va, Mbie va faire les choses pour satisfaire les cœurs des gens, pour satisfaire Dieu. Ah, Nte, ce sont les gens qui ont appelé Mbie ou c'est Dieu qui a appelé Mbie. Lorsque nous allons mourir, la Bible dit que chacun de nous sera jugé par ses œuvres. Bato, Mbie a Mbiabala. C'est-à-dire, Mbie a Obala pour nous CPC, Mifema a Batou. Toi, Obala pour nous CPC, Moutema a Zambi. Mais il gère une église. Mais il y a une église. Alors, gérer l'église à Mounen. L'église, on a géré. Les églises, na Bango, les églises en Zambi. Nabi, hein. Donc, on a Batou. Sauf que l'on a Bali. Et l'on a Mbi, il y 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 a Mbi, Nabi, mon cher Jérémy. Moto a élu ce évangile. Moto a joué ma porte parce que les gens veulent nous faire comprendre que notre statut c'est un évêque. Conformément à la Bible, un évêque doit être marié. Jésus-Christ est un évêque. Jésus-Christ est le père des apôtres. Vous voyez comment moi c'est Jésus? Vous voyez comment moi c'est l'apôtre Paul? Tu connais un apôtre qui a beaucoup écrit comme l'apôtre Paul? Tu connais un apôtre qui a fait des miracles plus qu'un apôtre Paul? Mbie Nil Paraju a dit qu'il ne va pas se marier. Mais le problème, c'est que Mbie attend les bons moments pour se marier. Donc que les gens arrêtent de mettre des pressions à Mbie. Voilà, merci beaucoup Ndeko Alvin Kachil. Kachila. Kachimba. Kachimba, je crois que Mondante Batalibiso, merci pour tes informations, tes arguments. Mais les commentaires restent libres, chacun de nous peut mettre son point de vue. Abonnez-vous massivement. Merci à Guillaume Atone de l'homme à portable. Assadie, ma force est tranquille. Les mamans Clotilde de Bondo. Le plafond des Rennes et le Zombala de Madrid. Le Végira Saddam de Manchester. Merci, mais non, si c'était dans le monde dernier. Justement, tu vas conclure l'émission. Non, c'est toi qui dois. Je vous laisse suivre la fin de l'émission. Maître Sizasuka, ma puissance amie Kili, le conseiller. Papa Philippe Kabouikouna Fribourg. Et également, je vois le docteur Simon Mundemba depuis la Zambie. Et merci à tout le monde, Olivier, Batombo, Bobo et sa femme Malami Bekantoy à Londres. On est là, merci pour la confiance. Je crois que Ndeko est chité. Et puis, si possible, appelez ça Ndeko numéro et téléphone pour toute communication, dialogue, question. Et je crois que Roussala Ndeko bien. Tu veux chiter par Ndeko? Rien à chiter qu'on le va bouer. Je n'ai pas dit que Mbi est parfait. Je n'ai pas dit que Mbi est asa irréprochable. Mais le problème, c'est que Mbie a toujours été à la plupart victime de beaucoup de calbales. Je vais lancer un message à ma journaliste et pro Madjabou qui veut faire passer des chapeaux de bêtises à Madjabou, à Moïse Mbie. C'est des bonnes guerres. Je vais dire ceci. Vous savez, lorsque David, le roi, David plutôt, le prophète Nathan, a écrit qu'au tel Isaïe, ben héros il y a ça là qui lorsqu'il voit qu'il moi si il y a soldat là et puis à Bomi si soldat là David
n'avait pas cherché beaucoup de justifications. Parce que lorsque le roi, le prophète Nathan est venu, il a dit à David, il y a un monsieur qui n'a que vache moro, mais l'autre a beaucoup de vaches. A préféré que tika ba vache nae, a zoga ya mouton zé na moro sa nini. Ali aye aboumaye. David était énervé. Il a dit au prophète Nathan, c'est qui ce monsieur là qui va kangaye? Le prophète Nathan dit à David, le monsieur dont on fait allusion, c'est toi. Parce que tu as des femmes, tu as beaucoup de femmes, tu as laissé toutes tes femmes. Tu as préféré aller prendre la femme de ton serviteur. Et ensuite, ce qui en a terra au bon monsieur, David n'a pas fait de justification. La Bible dit que David a saigné. A quoi il n'a pas belé? A l'éli ma wanzambe. Malgré Nzamba Libi Sagi, mais ma conséquence, ça va être et l'attaquer. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Si Mike Alamba il reconnaît que dans la vidéo, c'est lui, au point où il reconnaît que dans la vidéo, c'est lui qui est en train de faire des breaks avec cette fille, Mike Alamba a saigné pardon, a loukaba justification. Déjà, saigné pardon, s'excuser. Mais Soroyo qui n'a message. Et puis à se retirer l'église. Soroyo qui n'a message, pardon, au moment que il est en train de se justifier. Et les conséquences des justifications, c'est quoi? C'est ce qui nous a apporté la mort. Parce que si Adam, mon frère, je chute par ici, lorsque je dis, Dieu est venu poser la question, qui t'a demandé de manger le fruit? Si seulement si Adam avait dit, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être Liwa n'a pas de mobilité. Mais l'autre me marre Liwa, c'est lorsque Adam dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, Adam, Adam a voulu faire porter la responsabilité dans un que son confesseur n'a pas de mobilité. Dans d'autres termes, Mike n'a pas de mobilité. La femme, elle était venue, mais piégée, voilà pourquoi on a couru sa maquille. Non, frère, il faut assumer. Et ça, bien sûr, c'est comme on est au centre scandale. Nous allons te soutenir. Mais reconnais seulement conformément à la Bible dit que si vous reconnaissez vos péchés et vous les confessez sincèrement, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Plus 243 81 22 82 775. Encore plus 243 81 22 82 775. C'est mon numéro de WhatsApp. Voilà, merci mon frère, merci à tout le monde. Nous sommes là. Décris ce Kondé, un bon tonton à Paris. Ma Claudine Louyeye depuis Kinshasa. Maman Espérance Assou, tout la mère des archanges, la Belgique. Je vous aime beaucoup. Le boss est Chicha. Depuis la Turquie, un grand merci à tout le monde, en tout cas on est là. Le célèbre Dien Zundu à Washington, merci pour la fidélité et la confiance. Abonnez-vous massivement, bye bye. Sacerdoce et rataraté, jamais et rata. Zamba Pambolabino, exacte pessimino kaka message, car yon tozo landa, Dieu a permis tous à la Anna France, na Katia Saint-Denis. Ma kambon zamba zo sala na Saint-Denis, place tous à la siège. Peut-être aux acquis informés. Bible lobby, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na zone di manzambe wana wa salaka. Ezambana bi yaka ana Saint-Denis. Et ma kambe belle zo sa mazo na l'adresse. Peut-être ou ebakite zo adresse. 9 rue de la poterie. Na kata Saint-Denis. C'est facile. Zo jo wana gare à Saint-Denis. Gare à Saint-Denis, au 838. Okiti na deuxième arrêt, Delaunay-Belleville. C'est là où je suis. Mercredi, service sacerdotal. On a problème aux autres. On a une loi prophétique. On a une loi qui s'est passée. Mercredi, 14h, service sacerdotal prophétique et bandit. Dimanche, à partir de 15h, adoration et louange. Et ils appellent service prophétique. Donc, partout d'ici, vous allez vous faire une route. Vous êtes invités dans le dimanche. Yara non dimanche, tokou misanzamba ensemble. Wana li kamo joye batena salanin. Viens, je connais ce Dieu là. Il est capable de changer tout. Au nom de Jésus. Yabo moni ba image à mangengenge, tozana mangengenge, la loi surnaturelle, tozo kouar nan zambé wana. Kozan gate déjà mercredi, oyo, dimanche toza awana, Saint-Denis. Zwa numéro yangwana. 07 66 27 40-02, numéro Yangwana Kando Zolanda Benga. C'est votre frère, Père Kondé Israël, sacerdoce et rataraté, jamais rata. Tous à présent, na Saint-Denis. Donc, na Saint-Denis, ma kamene les eaux salamans. Zamba Pambola. Nous avons un message à Moukousse, Yon Tozolanda, vous appelez à Moukousse. Message à Mouzaboué. Nous avons un ebisinga, na sambe la pona ba aîné de la famille. Yami balé, na sambe la pona ba malade de Zosilati. Yami satou, na sambe la pona ba blocage. Mari de nuit, femme de nuit, force nous avons appris un schéma. C'est simple. Et si là, adresse n'a pas sur ce numéro.
07 66 27 40 02. Tant aux autres, quand tu es à Zaré, à Zarté, mais quand on Zambenanga, Nalobi sacerdoce sera taraté, mais quand Zambenanga, à Pessinga Shema, et quand on Zolanda, miracle en Zambé Salamelao, Benarara Nasuka, Tosaliao, mercredi 14h séance à Royambe Bandi, dimanche 15h, Yara la famille Nayo, Zamba Pambolayo, c'est votre frère, Père Conde d'Israël, jamais rata. Merci.